Historiquement, le hara a commencé vraiment ici, avec cette maison. Donc c'est Robert Clay qui a créé tout ce hara. Il est arrivé avec Dan Rosenberg, ils avaient un projet. À l'époque, dans les années 70, il y avait deux gros haras qui étaient Gainesway et Spendrift, où il y avait à peu près 40 étalons. Et l'idée de faire un hara boutique, c'était vraiment une nouvelle idée.